Salut à tous, c'est Rico, je dois se retrouver pour une petite vidéo sur les stats officielles de FIFA 16. Donc je vais vous faire les 50 meilleurs joueurs de FIFA 16. On va faire 5 épisodes de 10 joueurs. Donc là je vais vous faire du 50e au 41e, pardon. Je signe en même temps mon retour vu que j'étais au Sri Lanka pendant 3 mois et demi. J'étais pas en vacances, j'étais en stage. Pour ceux qui ne savent pas, je passe en deuxième année de BTS. Et entre ma première année de BTS et ma deuxième année, on doit faire un stage à l'étranger. Donc j'ai choisi un hôtel qui était au Sri Lanka. Enfin, j'ai eu l'opportunité de partir dans un hôtel au Sri Lanka, qui ma foi était plus que sympathique. Je vous ai mis quelques photos du Sri Lanka et de l'hôtel juste avant l'intro. Vraiment une très bonne expérience pour moi. Je me suis amélioré au niveau professionnel parce que j'étais dans un hôtel de très bonne classe, on va dire. La chaîne la plus élevée au Sri Lanka. Un hôtel 5 étoiles qui est déjà bien rodé. Et j'ai pu voir le fonctionnement de gros hôtels à l'étranger vu que j'ai déjà vu en France. Mais je voulais voir à l'étranger comment ça marchait. Et que du bon, je me suis amélioré en anglais. Donc vraiment que du bon, je vais vous faire une vidéo de façon où je vous parlerai un peu plus... mon aventure là-bas, et je vais vous faire une vidéo 3-4 minutes, un montage avec toutes les photos, les vidéos que j'ai pu prendre, tous les animaux que j'ai pu voir. Vraiment, c'est vraiment un pays qui est très riche, tant au niveau culturel que personnel. Les gens sont super sympas et vraiment une culture qui est vraiment très sympa, en tout cas que j'aime bien. On repasse sur les stats officielles de FIFA 16. Donc là, c'est vraiment les stats qu'il y aura dans le jeu FIFA 16. Donc vous allez jouer avec votre petit joueur avec les stats que je vous présente tout de suite. Je vais revenir juste sur un point. Raval avait fait des vidéos prédictions sur les joueurs transférés, 8 épisodes de 5 joueurs. C'est son avis, c'est des vidéos qu'il a fait sur son avis, donc c'est peut-être pas l'avis de tout le monde. Je sais très bien qu'il va y avoir des joueurs qui supportent, par exemple, Manchester United. Donc automatiquement, s'il a fait une prédiction sur un joueur de Manchester United, il a peut-être pas le même point de vue que vous aurez mis, vous, en tant que supporter et en tant que grand fervent de cette équipe. Moi, quelques fois, j'étais d'accord avec lui, quelques fois, je n'étais pas d'accord. Après, chacun a son point de vue, chaque point de vue est respecté. Après, personnellement, je vais parler aussi en son nom. Quand je regarde un match, je me dis pas, par exemple, que Messi a fait une frappe à 93 et que Casillas a fait un arrêt à 85 de réflexe. Donc, c'est pas facile de juger des stats d'un joueur. Vraiment, c'est vraiment pas facile de dire, oui, il fait des frappes à 90, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Donc, on essaie de donner des stats en augmentant, en diminuant comme on peut. Et on regarde pas non plus tous les matchs, on connaît pas tous les joueurs, on connaît pas toutes les équipes, on regarde pas tous les matchs de toutes les équipes et de tous les joueurs. Donc c'est pas facile de juger. Donc de temps en temps, c'est vrai qu'on est obligé par exemple de regarder sur internet. Sur internet, on trouve de tout. Et c'est vrai qu'on juge de temps en temps sur les buts ou les passes marquées. Alors que certains joueurs, quand ils ne sont pas présents, on le remarque direct. Alors que niveau game, ils ont pas non plus énormément de passes décisives ou beaucoup de buts. Je vais donner par exemple. La vie, on va dire, un joueur qui est pas mauvais mais qui est pas non plus super décisif pour moi, qui est par exemple Sergio Busquets, par exemple, que je trouve vraiment bon, qui ne fait pas énormément de passes décisives, qui ne fait pas énormément de buts, mais qui est quand même décisif, et quand il n'est pas là, on le remarque quand même. Donc voilà, c'est un joueur comme ça, je pense à lui comme ça vite fait, on va dire comme exemple. Donc les stats officielles, donc le 50e joueur, c'est Di Maria. Di Maria qui change de Manchester United à Paris. Toujours argentin, il n'a pas changé. Niveau stats, donc il prend moins général. Niveau stats sur la carte, donc il passe de 90 de vitesse à 88. Ses tirs, ses passes qui restent pareils. Le dribble, moins 1. La défense, moins 8. Et le physique, moins 1. Donc ce qui est normal, moi je ne l'aurais pas descendu le général. J'aurais laissé vers 86. Sur le fait qu'il a fait une saison avec des pics et avec des gros bas. Donc voilà, peu régulier. Niveau fut, ça reste d'être intéressant vu qu'on n'avait pas trop de milieu offensif. Le seul milieu offensif qu'on avait, c'était Pastore, que je trouve intéressant, mais c'est vrai qu'il n'était pas... Enfin, personnellement, quand j'ai Lacazette et Ibrahimovic devant, le Pastore peinait un peu. En plus, il est non rare, donc ça fait un peu galère. Là, le Di Maria, il est sympa, ça va remplacer mon Cavani que je m'étais émossé. Donc là, Di Maria en 10 en France, ça reste d'être sympa. On a récupéré pas mal de 10, on a récupéré du Cabella qui, je pense, va être émossé. On a récupéré du Valbuena. Donc niveau petit budget, on a du lourd. Et niveau gros budget, bah, on a Di Maria, donc que du bon. Deuxième joueur, Sech qui change juste de club, donc il passe de Chelsea à Arsenal. La carte bouge pas, les stats ne bougent pas. Donc rien ne bouge entre FIFA 15 et FIFA 16. À part pour des perfects Arsenal, je vois vraiment pas quel est le changement entre FIFA 15 et FIFA 16 pour Sech. À part si on fait un perfect, voilà, mettre par exemple Koscielny, Mertesacker, Sech pour faire une hybride. Et par exemple après mettre d'autres joueurs d'autres ligues. Mais autrement, au niveau fut, ça change pas grand chose vu qu'il reste en Barclays League et que les stats ne changent pas.
Troisième joueur, je peux parler de lui tout à l'heure, Cavani qui passe de 86 à 85 de général. Donc une baisse pour moi qui est normale dû au fait que sa saison est régulière mais n'est pas non plus énorme. Souvent critiqué par les Parisiens et par beaucoup d'autres supporters, on va dire par les Parisiens principalement. Mais il fait des bons trucs de temps en temps, il fait des trucs qui sont un peu moins bons de temps en temps aussi. Mais bon, c'est un joueur qui quand même mérite son 85 de général vu son antécédent quand même à Naples et qui est pas non plus hyper mauvais à Paris. Niveau stats, donc il perd juste 3 de vitesse, pardon. Le général, pardon, qui baisse de 1. Donc il passe de 79 à 76 en vitesse. Les tirs moins 2, la passe plus 1, le dribble plus 1, la défense plus 1 et le physique moins 2. Donc pas non plus des stats qui dégringolent. Niveau petit budget, un petit Lacazette Cavani devant, ça fait toujours l'effet. Après, à voir les petits joueurs qui sont arrivés niveau buteur, qu'est-ce que ça va donner. Mais ça peut être toujours sympa, un petit Cavani comme ça de temps en temps, dans une petite Ligue 1. Quatrième joueur, Compagnie, qui était un joueur très intéressant, qui est toujours un joueur très intéressant. Juste un petit truc qui me chagrine, c'est son 69 de vitesse sur FIFA 16. C'est vrai que moi j'aime bien avoir des défenseurs qui ont 70 de vitesse, pas pour le shit ni rien. Mais c'est vrai que le petit chiffre 70 en vitesse passe toujours très bien pour un défenseur. Le Compagnie était pour moi un des meilleurs défenseurs du jeu. Et là il passe de 73 à 69, donc c'est vrai que le petit chiffre 69 fait un peu plus mal que le chiffre 70. Toujours sympa d'avoir des joueurs à 70 de vitesse, enfin des défenseurs à 70 de vitesse. Néanmoins, quand même des stats très intéressants, il est quand même à 85 de général, il perd donc 4 en vitesse, 2 en tir, il perd 7 en passe, donc les relances qui vont être un peu plus secs, les dribbles moins 2, la défense moins 1 et le physique qui bouge pas, donc ça reste quand même un défenseur très intéressant qui va être à caser dans toutes les BPL néanmoins. Un joueur que je trouve très intéressant tous les ans, qui tous les ans monte de 2-3 points à chaque fois, cette année c'est du plus 3 à la bas, qui passe de 82 à 85. Vraiment, bon, ça va être le défenseur gauche à caser dans les équipes. Vraiment très intéressant pour moi, qui est le meilleur défenseur gauche actuellement dans le monde. Enfin bon, il n'a pas non plus trop de concurrence, mais vraiment là-bas, tous les ans, il est énorme sur FIFA, tous les ans, il augmente. Et là, cette année, il m'a l'air vraiment très très bon, très complet, très homogène. S'il sort en Totti ou en Tot, ça va être un attaquant gauche, le bordel. Donc plus 3 général, la vitesse qui bouge pas, plus 2 en tir. Les passes qui restent, idem, le dribble plus 1, la défense plus 5 et le physique qui bouge pas. Vraiment, hybride avec Alaba, à poser. Godin qui passe de 84 à 85, donc vraiment Godin tous les ans aussi, vraiment très sympa, énormément de boost, tous les ans des tots qui sortent sur Godin. Vraiment toujours sympa le petit Godin, qui passe bien avec, à côté d'un petit Sergio Ramos. Donc là c'est du plus 1 général, il passe de 67 à 70, donc c'est vrai que le 70 fait plaisir. C'est psychologique, hein, ça comporte que moi et c'est psychologique. Mais ça fait toujours plaisir, le plus 3 de vitesse. Le tir qui reste idem, donc 48, la passe qui augmente de 1, le dribble plus 2, la défense plus 1 et le physique qui reste idem. Terry qui passe de 83 à 85. Tous les ans il prend une claque en vitesse et tous les ans il augmente un peu à droite à gauche. C'est vraiment dommage qu'il tous les ans prend une grosse claque en vitesse. Là il passe de 41 à 34 de vitesse, donc c'est vrai que le moins 7 fait vraiment mal. Ça va vraiment être une cagette. Il va vraiment être vraiment lent, donc à part si on met des défenseurs rapides à côté. Par exemple sur un 3-5-2, on va dire Terry en sentinelle, deux défenseurs assez rapides sur chaque côté de Terry, ça peut être sympa. Mais vraiment compliqué à caser, néanmoins. Les stats qui sont toujours très bien, hein, le tir qui est à 47. Les passes plus 1, donc 57, le dribble qui bouge pas, par contre la défense, voilà quoi. On passe de 84 à 87, et le physique plus 1, donc c'est sûr que si on se retrouve en face du Terry, on passe pas. Par contre, si on arrive à prendre de vitesse le Terry, ça dégringole et on le prend de vitesse. Le joueur qui a connu la plus grosse augmentation pour moi que j'ai jamais vu, pour un joueur qui a dans les environs de 80 en général, on voit des augmentations comme ça, on voit des plus 8, plus 9, assez souvent pour un plein joueur argent qui passe hors. Mais un joueur, par exemple, qui a 80 de général, qui passe à 85, pour moi, c'est une première, donc c'est Naldo. Naldo qui passe de 80 de général à 85, donc le plus 5. Franchement, c'est la plus grosse évolution que j'ai vue dans cette fourchette de général, on va dire, dans les 80 de général à peu près. Donc, il gagne plus 1 en vitesse, plus 13 en tir, plus 3 en passe, plus 6 en dribble, plus 6 en défense et plus 2 de physique. Donc, vraiment des stats très homogènes au niveau de la défense. Je trouvais qu'il était vraiment pas mauvais déjà en long shoot avant.
Là, vu qu'il vient de passer en 69, qu'il a gagné plus 13, je pense que son long shoot a bien augmenté et ça risque d'être vraiment une dinguerie. À côté d'un Boateng et d'un Alaba, ça risque d'être vraiment très compliqué à passer le Naldo. Une carte vraiment très intéressante et vraiment les stats qui sont vraiment pour moi énormes. Vraiment assure et très sympa au niveau carte et général. L'avant-dernier joueur qui a pris une petite claque, je trouve quand même un peu sévère par la part de FIFA, c'est Yaya Touré, donc qui prend moins 1 de général. Niveau vitesse, ça bouge pas, niveau tir, il prend plus 1, niveau passe, ça bouge pas, niveau dribble, ça bouge pas. Par contre, niveau défense, il a pris moins 10 et niveau physique, il a pris moins 4. Donc les stats défensives, il s'est fait un peu saquer. Je trouve ça un peu gros de la part de FIFA. Après, c'est vrai qu'il est, il a fait une année beaucoup plus offensif et il joue beaucoup plus offensif qu'à une époque. Donc c'est vrai que les stats défensives doivent baisser. Mais de là à mettre moins 10 en défense, moins 4 en physique, je trouve ça quand même un peu gros. Mais bon, c'est les stats qu'il y aura sur FIFA 16. Donc ça reste quand même un joueur qui est quand même très homogène. Il est dans les 70 minimum. 70 de défense, 76 de vitesse, 79 de dribble, 81 de passe, 83 de tir, 86 de physique. Ça reste quand même un gros bloc homogène qui varie entre le 70 et le 86. Donc ça reste quand même un joueur très intéressant qui risque quand même d'avoir son petit prix au début du game. Et le dernier joueur pour cet épisode, un joueur que je vais trouver très intéressant, qui m'avait beaucoup plu sur FIFA 14, c'est Santi Cazorla. Sur FIFA 14, si je me souviens bien, il était MOC. Et le Santi Cazorla sur FIFA 15 était passé MG. Donc c'est vrai que c'est un peu gâché, il a 5 étoiles geste technique. Il a 5 étoiles mauvais pied, pardon. Mais il a peu de vitesse, 73 de vitesse. Là, il repart sur du MOC. Donc vraiment, on va reconnaître le bon 10 de base, vraiment avec les deux pieds. Vraiment un joueur qui a des bonnes passes, un bon tir, qui n'a pas besoin d'énormément de vitesse, comparable à du Nasri, qui est comparable à du Van Persie, comparable à du Rooney. C'est des joueurs qui n'ont pas besoin de beaucoup de vitesse, vu leur qualité de dribble, de tir et de passe, qui est toujours très bon. Donc le Santi Cazorla qui prend plus 1 de général, qui passe donc de MG à MOC. Niveau vitesse, tir, passe, il bouge pas. Les dribbles qui bougent pas, la défense qui prend plus 25, donc je pense que la défense augmente considérablement sur le fait qu'il passe d'une aile, de l'aile gauche, vu qu'il n'avait pas besoin d'énormément de défense, à MOC. Donc MOC va devoir repartir un peu quand même sur le milieu central, milieu défensif pour défendre. Donc ils ont un peu haussé la défense, et le physique qui gagne plus 3, qui va avec la défense, on va dire. Ce que je trouve à peu près compréhensible. Donc je vous fais le prochain épisode, l'épisode 2, je vais essayer de faire ça le plus rapidement possible. Donc il sera du 40e au 31e joueur. Vous allez voir, le général augmente à chaque fois. J'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que mon retour vous plaît. J'essaie de vous faire aussi la vidéo du Sri Lanka, le montage que j'ai déjà commencé le plus rapidement possible. Vraiment, les photos, les vidéos sont vraiment très sympas. Je pense vous faire quelque chose de vraiment sympa, mais je pense que ça va prendre du temps. Je vais essayer plus juger la qualité que la rapidité. Donc j'essaie de faire au mieux. C'était Ike, je vous dis ciao, bye bye, peace.